On est un peu en guerre parce qu'il est fan de PSG, moi je suis de l'autre côté. Chaque mercredi, de 19h à 20h, retrouvez Leslie dans Less in the City, sur VL. Puisque tu dois être copain avec des gros DJ, des David Guetta, etc. Est-ce qu'ils t'ont donné des tuyaux ? Oui, je parle beaucoup avec William Snake. Ouais, vraiment, vraiment, qui me... Lui, depuis le début, bon, on est un peu en guerre parce qu'il est fan de PSG, moi je suis de l'autre côté. On galère un peu à se comprendre, mais, mais niveau musique, on est sur la même, sur la même longueur d'onde. C'est quoi le genre de conseil qu'il peut te donner ? Pour lui, il faudrait que je reste du côté afro parce qu'il y en a pas. En production, oui, il y a beaucoup d'afro qui sortent, mais en DJ afro, il n'y en a pas beaucoup. Donc il me dit ça commence à péter aux États-Unis parce que lui, il vit là-bas et il connaît. Et il me dit reste dans ce créneau-là, il y a un truc à faire. Donc je pense qu'il a raison. Bon, ça va, t'as des bons conseillers quoi. Ouais, ouais. Bah après, le track il sort avec un des labels de Diplo aussi, donc. Cool. Qui est un des majors des arts. Absolument. Donc, ouais, ça va. Bon, l'année prochaine, 2021, Coachella ? Ouais. Bah si le après c'est voilà, c'est une question de son appel. Si le mais non, il faut que le après les gros festivals comme ça, il faut que tu aies du son dehors et que ça fasse. Bien sûr. Ouais, faut que ça tourne quoi. Voilà. OK. Je te propose une petite interview du tac au tac. Yes. Donc, je vais te balancer des petites questions rapides. J'aime bien ça. C'est vrai ? Ouais, OK. On y va. T'as maté où la dernière Coupe du monde ? La dernière, j'étais. Attends, la finale, c'est quand ? Chez mon frère. J'étais chez mon frère à Arles. Ok. Ouais. Un petit mot, t'en as pensé quoi ? T'as trouvé ça. J'étais très confiant dès le début. C'est vrai ? Ouais, vraiment. J'avais un bon feeling. Feeling. Ouais. Ouais. Ok. Et t'étais où ? T'étais à la maison, barbecue ? Ouais, on était peut-être 10, 15, 20 chez mon frère et on regardait le match. Okay. On a fait la fête un peu derrière ou ? Ouais, après, ouais, on a sorti la platine un peu. Ouais. Le truc le plus fou qu'un fan ait fait pour toi ? Ou une fan ? Ouais, un déplacement. Je sais pas. Déplacement, ouais, un truc, quelqu'un qui est venu au Qatar. Ah ouais, ouais juste pour voir un match. Ouais. Et ouais. Okay. On s'arrêtera là. Non, c'est pas quoi, c'est pas dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il y a, t'as dit quoi ? Non, j'ai dit, il va pas répondre, faut pas répondre. Si, non, moi, je réponds pas à ça, je t'ai dit. Qu'est-ce qu'il a, lui ? T'es dans quel team en fait ? Je défends là, non, c'est chaud. Non, y a pas. J'ai pas le ouais, peut-être un déplacement aussi, un truc. Il y a pas des meufs qui ont tatoué ton nom. Ah si si bah, si oui oui, cas, oui, ouais. Oui oui oui, c'est à vie quoi. Ouais, ouais. Elle a tatoué quoi? Il y avait mon prénom dans le dos en gros. Ah ouais, ouais, c'était assez gros quand même. Franchement pas mal. Là je sais pas ce qu'elle a fait pour recouvrir ça, mais t'es qu'elle sort avec un mec qui s'appelle Djibril aussi, hein. J'espère sinon c'est compliqué.